morceau de dédicace pour le CNLT. C'était un morceau de dédicace pour le CNLT. Quand on a subi tout ce que nous nous soit dit, ce qui s'est passé le 5 septembre, les conditions dans lesquelles cela s'est passé, et ce que nous vivons aujourd'hui, cela nous amène à dire de la guerre en taco. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, El Hadj Docteur Fodéoussou Popana, président de cette Assemblée générale, messieurs les vice-présidents, membres du cabinet du président, du conseil politique, de la haute direction de l'UTG, des comités nationaux de jeunes et de femmes, mesdames et messieurs, les responsables et membres des bureaux fédéraux, des sections, des comités de base, ainsi que toutes les associations, toutes les bases, tous les staffs et tous les mouvements qui soutiennent l'UFDG et son président. Bienvenue à cette Assemblée générale. Si j'ai pris la parole ici, sous l'autorisation du président de séance, c'est pour faire un bref compte-rendu, parce que la plupart d'entre vous ont dû constater au niveau des réseaux sociaux, de la presse en ligne, aussi bien des radios et télévisions publiques et privées, que la coordination nationale des fédérations de l'intérieur était en mission au niveau des structures à la base, avec pour seul objectif la remobilisation des militants dans la perspective du renforcement des acquis démocratiques et de l'état de droit qui passe inéluctablement par la reprise des manifestations sur les voies et places publiques aujourd'hui. Parce que pendant 8 mois, pendant 9 mois, comme nous l'avions dit ici, nous sommes arrivés à la conclusion que le CNRT est devenu un courant politique, pour ne pas dire un parti politique. En lieu et place des acteurs politiques, ils sont dans des velléités claires de rester au pouvoir aussi longtemps que là se peut s'opérer et de se substituer à eux-mêmes. Et donc, quand nous avons suivi tous les actes posés par le CNRT, notamment les violations récurrentes de la charte de la transition, que ce soit pendant la mise en place du CNT, que ce soit pour la mise en place des cadres de concertation à lieu et place du cadre de dialogue que nous avons réclamé conformément à l'article 77, que ce soit le fait de ramener la validation de ce que moi j'ai appelé une bêtise, les 39 mois, ramenés à 36 mois au niveau du Conseil national de transition, qui n'avait ni la qualité, ni les compétences selon la charte de le faire, nous sommes arrivés à une conclusion. Comme quoi, avec le CNRT, l'affrontement avec le peuple de Guinée est inévitable. C'est évident. Nene Oussoula dit, nous avons adhéré à des déclarations, nous avons adhéré à des communications, nous avons adhéré à ce que nous avions pensé être la conviction intime et profonde du colonel du 5 décembre avec ses amis des forces spéciales. Mais aujourd'hui, le constat est amer, le constat est regrettable. En lieu de place d'une transition politique, ils veulent nous servir. Ils veulent nous narguer, ils veulent se maintenir au pouvoir. Au niveau de l'intérieur du pays, dans un premier temps, M. Abdoulaye Ba, Dr Ismaël Doucouré et moi-même, au nom du président et de la direction nationale,
ça c'est la première partie de la mission. Bientôt, d'autres préfectures également suivront dans l'élan de la remobilisation. Nous avons coopéré avec les responsables et les militants. Nous leur avons expliqué la situation sociopolitique actuelle du pays. Nous leur avons félicité et remercié pour la constance dont ils ont fait preuve, mais également pour la capacité de résilience pendant les périodes sombres de la lutte contre la dictature de M. Alpha Condé. Nous leur avons rappelé que si la direction nationale existe, si l'UMDG tient sur ses deux pieds, c'est grâce aux militants et sympathisants des comités de base, des sections, mais également des fédérations. Nous leur avons transmis les salutations du président. Nous leur avons également rappelé dans quelles conditions et dans quel contexte le CNRD est arrivé au pouvoir. Nous leur avons rappelé toutes les péripéties qui ont jalonné la conduite de la transition pendant ces 8 mois. Nous n'avons pas manqué, en plus de la charte qui a été prise de façon unilatérale promulguée, qui par la suite a été violée et violentée par le CNRD, avec à la tête le colonel président. Nous avons également expliqué de long en large à ces militants le processus de récupération de ce qu'on a appelé les biens de l'État. Nous leur avons parlé de toute la mascarade, de tout l'acharnement, de toute la haine qui a entouré la récupération des biens de l'État et qui a abouti, sans aucune décision de justice, à la destruction de la maison privée, du domicile privé de notre leader bien-aimé, hélas, Ndiaye Diallo. Hélas, hélas qu'on parle de justice dans ce pays. Pendant que la décision était attendue, pendant que le dossier était en train d'être examiné dans le fond par la justice, le CNRD a rasé la maison de notre président en désavouant la justice de notre pays. Qui peut nous parler de justice ou de boussole aujourd'hui? Qui peut nous parler de justice? Qui peut nous parler de justice? Merci bien, militants et sympathisants. Et en plus de ça, nous avons également expliqué à nos compatriotes qui étaient massivement mobilisés, parce qu'il y avait à ces rencontres tous les secrétaires généraux des sections de l'UFDG, tous les maires élus de l'UFDG, tous les responsables et membres des bureaux fédéraux, ainsi que tous les militants et sympathisants de l'UFDG. Nous leur avons expliqué également c'est quoi le dossier Air Guinée, tout l'acharnement porté contre le président Sénou Daley Diallo. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que les avocats sont en train de gérer ce dossier, mais nous leur avons expliqué que le président Sénou Daley Diallo est persécuté à raison de son leadership politique. Il est persécuté parce qu'il n'y a aucune autre alternative crédible par rapport à la gouvernance dans notre pays, par rapport aux prochaines élections en dehors de l'UFDG et de Sénou Daley Diallo. C'est évident. C'est le seul candidat potentiel présidentiel à l'issue de la transition que nous voulons précoter. Et pour terminer, nous leur avons aussi expliqué de long en large, avec toute la pédagogie nécessaire, avec le maire Abdoulaye Ba, Dr Ismaël Doucouré et moi-même, la relation entre l'UFDG et le G58, dans lequel G58 est arrivé le RPG arc-en-ciel, parce que nous portons aujourd'hui les mêmes revendications par rapport à la gestion et à la conduite de la transition. Tenez-vous bien, chers responsables militants et sympathisants, nos responsables à la base, les militants, ont compris, ont félicité cette initiative, félicité la direction nationale et le président, encouragé le parti à couvrir l'étendue du territoire national pour coopérer avec les responsables ainsi que les militants et sympathisants. Et le dernier pas que nous avons abordé, c'est la mobilisation, c'est la reprise des manifestations. Ce qu'ils nous ont demandé de dire à la direction nationale, monsieur le vice-président, ils nous ont demandé de vous dire à Fanté, à Poulard, à Soussou, à Pelé, à Kissi, à Mano, qu'ils sont prêts matin, midi et soir. Appelé à manifester pour le renforcement des acquis de l'OMS.
Ils nous l'ont dit à Koubia, à Tougué, à Mali, à Léluma, à Tchaliapori. Ils nous l'ont dit également à Mamou. Ils nous l'ont dit à Kalaba, à Pita, à Lissam, à Tamakali et à Souketa. Monsieur le vice-président, les militants et responsables à la base ont totalement compris aujourd'hui la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Et ils sont en phase avec la direction nationale de l'UFDG. Ils nous ont demandé de vous transmettre les messages d'encouragement et de félicitations de la base et qu'ils sont prêts à tout instant à répondre aux mots d'ordre de l'UFDG. Ils sont conscients que si le CNRT est là aujourd'hui, c'est grâce au combat de l'UFDG et de la NAT et également de l'UFDG. Et donc, monsieur le vice-président, en dehors de ces messages transmis par la base, laissez-moi vous dire que ce que nous avons constaté également, parce que nous avons mené des débats dans les cafés, au niveau des mobilisations, nous avons compris que le CNRT n'est plus en phase avec les populations à la base. Le peuple de Guinée refuse de se soumettre à l'injonction d'interdire le droit de manifester. Nous ne nous soumettrons pas à cette décision. Ou bien, nous ne nous soumettrons pas à cette décision. Alors conjuguez avec moi le verbe manifester au futur. Parce que c'est dans 3 ou 4 jours, ou dans une semaine, ou dans un mois. Je manifesterai. Tu manifesterai. Nous manifesterons. Vous manifesterez. Nous manifesterons. Alors nous manifesterons sur les voies et places publiques. Que cela soit su et entendu, monsieur le vice-président. C'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. C'est la question de la cuisine interne, monsieur le vice-président. Les militants nous ont dit qu'à l'UFDG, il n'y a pas un pied dehors et un pied dedans. Les responsables nous ont dit qu'à l'UFDG, un pied dedans et un pied dehors, c'est carrément. C'est carrément. C'est carrément. Alors, les militants et les responsables, monsieur le vice-président, parce que nous avons des défis importants. Et nous demandons de vous demander de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Et je terminerai par dire ceci au CNRT. Il y a une adage qui dit que naturellement, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il texte. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son père. Que cela soit su et entendu par le CNRT. C'est nous dans les canons, c'est le futur président de la République. Et vouloir maintenant.
Dieu du respect et à lui protéger. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons faire en sorte que le CNRD respecte l'UFDG et respecte le peuple de Guinée. Mais oui, wow! Pour vous dire, il y a des gens qui ont dit que nous ne pouvons pas faire de la guerre. C'est ça, honorable Saint-Louis. Et le message est clair. Si on est là, 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 si on est